En face de vous, enfin le représentant tout au moins. Voilà, alors Dédé des Chênes Blancs, il a ramené la pizza et la pizza à la bière. Et là c'est pareil, il y en a pour un régiment, il va pouvoir partager aussi. Ah, je pense qu'on me connaît. Demandez-leur. Enfin, normalement, grosso modo, je suis reconnaissable. Ouais. Voilà. En scooter. En plus, il utilise un scooter 125 conduit à fond de train. C'est vrai. C'est ça. Oui. Ça va encore à gueule. Bah alors. Sinon, dans les communautés, nous avons donc. On est pas en on va pas fondre. Donc. Pour la première fois, les gitans qui sont venus. Donc ça, c'est un progrès indéniable. Oui, en petit. Donc l'année dernière, je pense qu'ils étaient venus voir et cette année, bon, ils sont assez représentés. Il y a au moins deux tribus qui sont là. Tribus ? Oui, parce que c'est par tribus. Il y a des chefs et on dit des tribus. C'est des familles. Ce sont des familles. C'est très hiérarchisé ici. Et ce mélange-là avec oui, bon, il y a des familles qui ne pourraient pas être là parce qu'il y a des différents, donc si une famille se trouve, l'autre ne vient pas. Là, c'est marrant. Et bon, c'est très bien d'arriver parce que depuis toujours, historiquement, à l'Ariane, ils sont isolés. Ils restent entre eux. Là, ils s'approchent et c'est pas mal. On a l'espoir d'arriver à une véritable mixité dans quelques années. Ça aide beaucoup. Bon, et puis maintenant il y a des animations, il y a de la musique. Et si vous marquez, ça marche bien. Je suis bondé à vos lèvres, espérant le mot. Espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone affolé qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève.
Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être donnant la petite fleur qui va naître. Vous raconteur à mon chagrin, c'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Alors, on va pouvoir commencer à s'installer peut-être tout doucement pour à table pour prendre le repas. Donc je rappelle, ben, chacun partage avec ses voisins, on peut aller d'une table à l'autre pour partager ce qu'on a ramené. Il faut savoir que il y a quand même quelques personnes qui ont ramené, on va dire, des victuailles en quantité. D'abord, il y a les Arianax avec leur célèbre merguez. Monsieur Achichi à la chauffe là, et Georges qui a approvisionné le stock de merguez. Enda qui a ramené le couscous pour un régiment au moins, facilement. Et si je me trompe pas, il y a aussi un tagine. La photo. La photo. Voilà, c'est bien. Merci. Une femme le tendre un peu plus sur le plateau. Allez, c'est la place, la dame là. Allez, je vous le tiens, moi. Et bon, il faut que je le voie bien sur le plateau. Voilà. Prenez à demain, vous allez le tenir. Voilà, comme ça. Voilà, vous le tenez bien. Voilà, ça comme ça, c'est sympa. Voilà, c'est bien. Il y a tous les actes, presque tous les acteurs sociaux. Vous avez aussi bien la municipalité, vous avez aussi bien la sécurité, vous avez les assurances sociales, vous avez les agents qui sont ici. Et l'avantage de l'Ariane, c'est qu'on essaye de s'épauler tous pour justement créer un respect, une osmose, enfin quelque chose qui soit humain, voyez-vous, humain. Sinon, on est très cohérent. On se voit en dehors du travail, donc aujourd'hui chacun est venu bénévolement. On a l'habitude de travailler ensemble, c'est la force de ce quartier. Je pense qu'à Nice, ça n'existe plus. Bon, je vois dans les homologues à Nice le regret d'être un peu isolé, ce n'est pas le cas ici. C'est responsable de la police. On va faire un tour du côté du barbecue. Ah oui, tout à fait. On sait que je suis bien. On sait aussi que je ne suis pas en service. Il est chaud. Je suis reconnu comme partenaire. Voilà. C'est pas du couscous froid dans des assiettes en plastique. Bon, s'il le faut, après-demain, j'interviendrai vers mes familles, je mettrai les gens en garde à vue. C'est mon rôle. C'est comme... Alors, vous avez pu voir qu'au milieu du jardin, il y a des grands hamacs qui ont été installés. Alors ces hamacs, ils ont été installés par des artistes italiens de l'association Chac, qui sont actuellement accueillis à la Villa Arson, hein, à Nice, qui vont faire une exposition sur différentes manifestations qui se sont déjà produites dans différentes villes d'Europe. Alors aujourd'hui, ils sont venus avec une caméra, ils vont filmer un peu le repas de quartier, comment se passe la vie dans un quartier de Nice quand on y fait la fête. Et vous êtes tous invités à l'exposition où sera projetée entre autres la vidéo d'aujourd'hui. Le 4 juillet, c'est le vernissage, mais cette exposition elle aura lieu jusqu'au 10 octobre, donc à la Villa Arson, dans les quartiers Nice Nord. Et ben vous aurez l'occasion, en allant à la Villa Arson, de vous voir certainement en vidéo. Et vous verrez aussi comment dans différentes villes d'Europe, on fait la fête comme ça dans les quartiers. Donc c'est assez sympa, et vous avez vu ces grands hamacs, c'est surtout les enfants qui se les sont appropriés pour l'instant. Il faut qu'ils fassent un petit peu attention, il y a déjà eu des chutes. Donc ne pas trop les balancer, parce qu'il y a un petit peu dangereux. A priori, les arbres devraient tenir le coup. On devrait espérer ne pas faire de déforestation aujourd'hui. Elle a essayé de sortir du jardin. Elle me demande si je te vois en bureau. Elle est passée par le bureau.
À une époque, on a même des presque nouveau pour le quartier. Mais bon, c'est bien qu'il soit là. C'est bien parce qu'il y a une volonté de renouveau dans ce quartier. Il y a un très beau gymnase. Il y a un centre socioculturel qui est tout neuf, qui marche très bien. Il y a le théâtre de l'Ouverture qui fonctionne. Bon, il y a plein de choses qui fonctionnent. Simplement, on ne le dit pas. Les images vidéo qui sont aujourd'hui. Les journalistes ont une tendance à venir à l'arrière pour dénoncer ce qui ne va pas. Ils ont récolté les images vidéo un peu de plusieurs villes en Europe. Pardon ? Où se passent des animations du même type que celle-ci. Oui, je parle. Des animations faites dans les quartiers. Donc, à tout niveau, parce que c'est quand même retenir seulement ce qui va mal. Alors qu'il ne faut pas nier, et il ne s'agit pas d'être une autruche et de mettre la tête, de dire je ne vois pas. Mais ce qui va mal peut être compensé aussi par des tas de choses qui vont bien. Et il y a des tas de choses qui vont bien. Il y a beaucoup d'entraide, il y a toute une estime réciproque dans une grande partie de la population, et qui est formidable. Donc il ne faut pas avoir un regard seulement négatif. Il faut. Je ne suis pas pour nier le négatif, mais je dis que il faut aussi, si on veut être objectif, il faut aussi voir le positif. Un retrait comme ça, c'est positif. Tiens, tu mets un côté salade, je mets un côté couscous, je passe les assiettes. Un peu pour moi, un petit... Non. Il fait la photo. Les deux là, c'est les deux là. Les deux ça. Donc qu'est-ce que vous avez ? Bonjour. Bonjour. Donc c'est quoi ? Elle fait un papier sur quoi ? Expliquez-moi. Alors en fait, elle fait un papier sur le repas de quartier. Et dans ce repas de quartier, Stalker, c'est un collectif d'artistes italiens. Il y a Aldo et Valerio ici. On participe à ce repas de quartier. Alors, donc on a apporté tous ces hamacs. Ouais. On fait une vidéo, ils vont faire une vidéo qui sera exposée à la Villa Arson cet été. Ah d'accord. Après, voilà. Okay. Donc, bon, on va le faire. Dans les hamacs, hein. Ouais. C'était des hamacs, quoi. C'était des gens, comme vous voulez. Allez, la photo ! La photo, Aldo ! Le prochain repas de quartier, mais quand vous venez, c'est bien que vous veniez avec... Je passe assez bien, avec, comme partout, avec des frictions entre certains voisins, des problèmes pour une voiture mal garée, comme partout. En revanche, bon, le quartier souffre d'un déficit d'image en ville. Parce qu'ici, on dit qu'on va à l'Ariane, on est plus dans Nice, on se considère plus dans Nice. Ça, c'est gênant. Il est vrai que quand un jeune de l'Ariane a un diplôme équivalent postule pour une place, il ne l'obtient pas. Il habite l'Ariane, donc forcément, on va privilégier les autres. Sauf si on pistonne. Et on essaye de pistonner à tout va. Pour vous dire les affaires. Je me confesse. Hein. Mais on pistonne, parce que si on ne fait pas, justement, quand un jeune demande essaye de trouver du boulot, il est bien. Si on ne pistonne pas, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a une espèce de... Bon, on le met au fond de la liste. Tandis que si vous pistonnez en disant « mais c'est vraiment un jeune bien, bon, il habite à rien, mais c'est un jeune bien », à ce moment-là, quelque part, ça marche. Alors, ça nous rend plus de joie. Vous voyez ? D'habitude, si ça peut être stimulant, ça donne envie de faire des choses bien et ça souffre. Mais pas forcément, savez-vous, parce qu'il y a quand même. Il faut qu'on lutte contre l'individualisme et contre. Pas un sectarisme, c'est un mot trop fort, mais ils ont quand même un communitarisme aussi. Et donc, si on ne lutte pas contre ça, l'Ariane, on arrive à la guerre très vite. Très vite. Manu. Donc c'est un souci constant d'essayer justement d'éviter ça, parce que c'est pas naturel quand même. Naturellement, les gens ils se regroupent par affinité, par famille, ou par tribu, ou par religion. Et donc c'est un souci constant, c'est un combat.
faire apprendre que on peut essayer de chercher le bien commun avec bonne volonté et avec ce que l'on est. Voilà, tout simplement. Sans pour autant faire de l'irénisme, dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que tout ça c'est la même chose, etc. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il faut être réaliste. Mais en même temps, il faut quand même une volonté de dire aux gens, mais il y a quand même ce bien commun qui peut être recherché et atteint. Mais en étant vous-même représentant d'une communauté, est-ce que c'est pas difficile justement de lutter contre le communautarisme? Moi j'ai l'avantage d'être le représentant d'une communauté chrétienne. Et donc y a tout de même une phrase de l'évangile qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Porque fuego de tus lindos ojos negros alumbraré el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poder te contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente y eso no se enterará. Y gana con decir que una mujer cambió mi suerte, se pone de mí que nadie sepa mi sufrir. Parce que je pense que la grandeur justement du christianisme, c'est d'aimer les gens, enfin de vouloir le bien des gens, quelles que soient leurs infirmités, leurs péchés ou simplement leurs convictions. Donc si vous voulez, moi je crois qu'on peut grandir dans sa propre identité sans pour autant vouloir du mal à l'autre. C'est-à-dire que je suis ce que je suis, je demande qu'on me respecte, mais d'un autre côté, j'ai un infini respect pour vous aussi. Parce que moi, j'ai vu des jeunes musulmans prier bien. Alors, il y a des jeunes catholiques qui prient bien, il y a aussi des jeunes catholiques qui prient pas bien. Et il y a des jeunes musulmans qui prient pas bien. Et là-dessus, c'est le même combat, si vous voulez. Ah ben, je veux dire par là, vous avez des gens qui sont, disons, qui n'ont pas plus d'espérance que simplement les trois dieux, les trois faux dieux que l'imam aussi bien que moi en bat, à savoir l'argent, la carrière et le sexe. Depuis toujours. Oui, c'est une forme de partage. Bah oui, il faut comprendre ce qu'on voit, ce qu'on raconte. Il faut comprendre comment les gens vivent. Ça, c'est très important. Je pense qu'on arrive à aider un quartier que dans la mesure où on se met dans la peau des gens qui y vivent et où on essaye de comprendre comment ils raisonnent.
Alors à ce moment-là, à partir du moment où vous prenez les gens au sérieux et en considération, peut-être que vous pourrez faire un petit pas avec eux. Je m'appelle Sophia, j'ai 11 ans, Ça va ça à télé? À la village sport. Non, c'est des livres. Ah, mais le façon journal. Le journal, la photo. C'est là-bas. Tu veux y aller? Lui, c'est là où je l'ai là. Bah, attends, on peut recommencer, c'était nul. Ouais, et ça comment elle passe. Bonjour, je m'appelle Sophia. Je suis heureuse de faire ça. On partage à manger avec ceux du quartier et on ramasse les papiers pour que notre quartier soit un peu sommé. Je m'appelle Sylvie, j'ai 11 ans. Je suis heureuse de venir là, de partager avec les voisins. Et j'ai passé un excellent journée. Il y a des logements, des coins de l'Ariane qui sont plutôt chicants. Les Arabes n'iront pas dans ces coins. Ils seront en minorité, bon, ça va mal se passer. Bon, ceci dit, ça souffre des exceptions. Donc on dira que les Gitans sont plutôt au sud, les Arabes au nord. Alors, quel est l'objet du reportage? C'est une étude d'anthropologie. C'est une étudiante en anthropologie à Nice. Ah oui. Donc elle est en train de vivre nos faciès, notre race. Voilà, elle est grand moteur de notre nature humaine. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une vraie identité au quartier. Hein. Il y a que des pièces importantes ici. Moi j'ai une fonction, un statut non, mais j'ai une fonction, donc je m'occupe du territoire, c'est-à-dire toute l'organisation, tous les effectifs municipaux qui sont territorialisés, affectés à ce secteur-là. L'Ariane, Pasteur et Bon Voyage. Entretien du cadre de vie, donc on a plusieurs missions, espace vert, propreté, voirie, police municipale, mairie annexe, animation, chargée des relations avec les administrés et communication. Oui, je dirais que l'intérêt, c'est qu'on est en contact direct avec les gens. Quand les gens sont pas contents, ils passent au bureau, ils râlent, ils téléphonent. Donc c'est Christine qui est ici, qui s'occupe de ça. Et c'est une lourde mission. Parce que on ne peut pas tromper les gens. Quoi. S'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, on est obligé de leur rendre des comptes en direct. Hein. Ils savent où venir, ils savent qui trouver. Et si ça ne suit pas, on a la pression. Quoi. C'est pas une pression désagréable, mais souvent, il y a des gens qui sont insultants, qui sont beaucoup se déchargent sur la collectivité parce qu'on représente, je dirais, les pouvoirs publics en général, comme la police d'ailleurs, le subit pas mal aussi. Et c'est vrai que les gens s'adressent à nous pour plein de choses, même des choses qui ne sont pas de notre ressort. Alors on fait le relais, des fois on fait le relais avec notre propre administration, les services centraux, et puis des fois avec des agents, parce qu'on a à peu près 80 agents qui sont affectés au service,
Des fois, on peut nous apporter une réponse directe. Donc c'est un mélange de tout ça.